Famiou. Verdict dans quelques instants. Il se retourne une dernière fois pour remporter cette belle épreuve cadet. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, un final terrible en Pays de Redon, Saint-Barthélemy, avec la victoire du coureur de Nantes-Caducé, Nicolas Rioux. Superbe victoire. Pour l'instant, les deux épreuves de Redon remportées par des coureurs des Pays de la Loire. À la deuxième place, le Brestois Miyour, le coureur de Plamennec. Et il termine deuxième, 5 victoires depuis le début de saison. À 14 secondes, Geoffroy Miyour, deuxième. Il reste une place au podium. Et une place également pour le meilleur Redonnais. Le sprint est lancé. Petit par la taille, mais quelle efficacité! Il résiste au retour du coureur de Supersport qui revient. Un final terrible. La ligne est un petit peu plus loin. Le coureur du Supersport prend la troisième place podium, c'est-à-dire Loïc Jamais, invité au podium. Superbe, messieurs. Alors que le meilleur Redonnais, on l'aperçoit un tout petit peu plus loin là-bas, lui aussi invité au podium. Et on aperçoit également autre coureur du lycée Beaumont qui en termine. Voilà le meilleur Redonnais, c'est-à-dire Ludovic Delanoué, champion d'Ille-et-Vilaine cyclocross, était à l'Hermitage. Voilà, on applaudit tous les coureurs qui en terminent. Quelle fin de course terrible! Un parcours comme celui-là.